Salut tout le monde et bienvenue dans ce deux épisodes de Metal Gear Solid sur PlayStation. On s'était laissé la dernière fois à quoi? Regardez le radar. On s'en fout. Et on a vu. La dernière fois on s'était laissé ici devant les cellules avec le chef du DARPA. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va aller le sauver. Quoi? C'est le tuto ça. Snake, si oui, on s'en fout. Oh putain, je voulais pas l'appeler en plus. Snake. Oui, on s'en fout. Hop, touche action. On est bon, on y va. Alors. Dans mes souvenirs. Si je vais tout droit. Attends, parce que je me souviens plus trop moi. Alors déjà je crois que c'est triangle. Non. Il y a une touche. Ah oui, non, c'est triangle avec la joystick. Ok. Il me semble que là, c'est pas bon pour le moment, faut pas y aller. Quoique. Ah oui, voilà, c'est bon. C'est ça. C'est une femme, c'est pas lui. Ok. C'est une femme, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il veut? Snake, le signal du chef du DARPA vient de ce secteur. Il doit y avoir un moyen d'y descendre. Regarde autour de toi en mode observation à la... Oh, c'est bon. Putain, on a compris. Oh, ils veulent absolument que je suive leur tutoriel. Bah, c'est bon, j'ai compris, c'est pas la première fois que je fais le jeu. Donc je crois que si je vais par là, c'est encore un easter egg. Enfin, pas un easter egg, hein. J'ai pris un coup de froid. Décidément, je n'aime pas l'Alaska. Cette petite a vraiment un corps d'enfer. Ok. Ok. C'est pas l'historique, c'est des petites cinématiques comme ça en fait. Et là, là y a rien. Alors Socombulette, tu peux récupérer? Bien sûr. Par hasard, tu as combien de balles de Socom? 25 sur 25, très bien. Ok. Bien. Donc là maintenant on va pouvoir aller voir le chef du DARPA. Et c'est long. C'est même très long. Mais bon, ça fait partie du jeu en même temps. Ouais, c'est tout droit. Voilà. Qui êtes-vous? Je suis là pour vous sauver. Vous êtes bien Donald Anderson, chef du DARPA? Vous êtes venu pour me sauver? Pour qui travaillez-vous? Ils ont envoyé la bonne poire que je suis pour sauver votre peau. Vraiment? C'est vrai. Vous ne leur ressemblez pas. Dans ce cas, dépêchez-vous. Sortez-moi de là. Pas de panique. Tout d'abord, dites-moi ce que vous savez des terroristes. Les terroristes? Ont-ils vraiment la capacité de lancer un missile nucléaire? De quoi est-ce que vous parlez? Les terroristes menacent la Maison Blanche. Si on ne cède pas à leurs exigences, ils disent qu'ils déclencheront un missile. Oh mon Dieu! En ont-ils la capacité? C'est possible. Ils pourraient lancer un missile. Quel est leur plan pour la mise à feu? Hein?
Cet endroit ne devrait être qu'un stockage d'ogives démantelées. Il ne devrait pas avoir accès à un missile. Ce que je m'apprête à vous dire est top secret. Ok. Nous étions en train d'expérimenter un nouveau type d'arme. Une arme qui révolutionnera le monde. Quoi ? Un tank mobile nucléaire. Avec la capacité de lancer une attaque nucléaire de n'importe où. Metal Gear ? C'est impossible. Vous le saviez ? Les Metal Gear est un des projets noirs les plus top secrets. Qui vous l'a dit ? Disons que j'ai mes entrées. Voilà donc la raison de votre présence sur ce site. Pour quelle autre raison viendrais-je dans un endroit pareil ? On m'avait dit que le projet Metal Gear avait été abandonné. Bien au contraire. C'est devenu un projet conjoint entre Armtech et nous-mêmes. Nous apprêtions à nous servir de cet exercice comme données brutes, puis lancer la production de masse. S'il n'y avait pas eu cette révolution... Révolution ? Rex est maintenant aux mains des terroristes. Rex ? Metal Gear Rex. Le nom de code du nouveau prototype Metal Gear. L'armement de la tête nucléaire dont ils pensent se servir sur Rex doit être terminé. Ces types sont des pros. Ils sont tous capables de se servir et d'assembler des armes. Hé ! La ferme là-dedans ! Je pensais que toutes les têtes nucléaires étaient équipées de mesures de sécurité, comme un code de mise à feu. Ah, vous voulez parler du PAL ? Bien sûr, il y a le PAL. Ils auront besoin d'entrer deux mots de passe pour déclencher le lancement. Il y a deux mots de passe ? C'est exact. J'en connais un et Baker connaît l'autre. Baker, le président d'Armtech ? C'est ça. Nous devons entrer chacun notre mot de passe pour permettre la mise à feu, mais... Ils ont trouvé mon mot de passe. Vous avez parlé ? Psycho Mantis a la faculté de lire les gens. Il est impossible de résister. Psycho Mantis ? L'un des membres de Foxhound. Il a des pouvoirs télépathiques. J'aime pas ça. Et donc il finira bien par obtenir le mot de passe de Baker. Et s'ils découvrent celui de Baker ? Ils pourront alors lancer un missile nucléaire. Et il existe un moyen de les arrêter. Lequel ? Les cartes-clés. Cartes-clés ? Elles ont été conçues par Armtech. C'est eux qui ont conçu un système d'interférence d'urgence. Même sans les mots de passe, il suffit d'insérer les clés et d'enclencher la sécurité. Et si je le fais ? Oui. Vous empêcherez le lancement du missile. Cette carte-clé-là ? On les trouve où, ces clés ? Baker devrait les avoir. Écoutez-moi, il vous faut trois clés. À chacune correspond une fente. Il vous faudra insérer une clé dans chacune d'entre elles. Ok, trois clés. Avez-vous une idée de l'endroit où il garde Baker ? Quelque part au deuxième sous-sol. Au deuxième sous-sol ? J'ai entendu le garde dire qu'il l'avait transféré dans une zone à fort brouillage électronique. D'autres indices ? Oui. Ils ont recimenté les entrées, mais ils n'ont pas eu le temps de les repeindre. Cherchez dans les zones où les murs sont de différentes couleurs. Ça vous aidera. Tenez, c'est mon pass. Il ouvrira toutes les portes de sécurité 1. C'est une carte PAN, qui marche en synergie avec le champ électronique corporel. Bien sûr, une carte PAN. C'est ça. Les informations sont transmises par les particules de sel corporel. À votre approche, les systèmes de sécurité des portes liront les données de la carte. Et les portes s'ouvriront automatiquement, compris. Ok, je vais vous sortir de là.
Une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? On ne vous a pas communiqué un autre moyen de désarmer le PAL par hasard, vos chefs ou autres? Non. Vous êtes bien sûr qu'on ne vous a rien dit? Je viens de vous le dire. La Maison Blanche a-t-elle prévu de céder aux exigences des terroristes? C'est leur problème. Et ça n'a aucune incidence sur mes ordres. Mais le Pentagone... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est quoi ça? Hé! Qu'est-ce qui se passe? Naomi, le chef. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On dirait qu'il a eu une crise cardiaque. Crise cardiaque? Non. Colonel, est-ce que tu me caches quelque chose? Absolument pas. Snake, comprends que cette opération est classée code rouge. Le seuil de sécurité maximum est requis pour l'accès au dossier complet. En fait, tu es en train de me dire que le leader de cette opération n'a pas accès total aux informations. Je te l'ai dit, le patron, c'est le secrétaire à la défense. Moi, je ne suis là que pour t'aider. Snake, on n'a pas le temps de discuter. Sors de là et trouve-moi le président Baker. Bien. Bon, alors, on n'a pas trop le temps de discuter parce qu'une autre cinématique va bientôt se lancer. Mais voilà, on a appris donc ce que t'es le Metal Gear, le nom du jeu. C'est logique. Ce gars-là est mort, le président d'ArmTech. Non, non, c'est le chef du DARPA, excusez-moi. C'est Donald Anderson, je crois. C'est ça. La porte s'ouvre et encore une cinématique va se lancer. Alors c'est toi qui as tué le chef, espèce de salaud. Liquide? Non, c'est pas lui. Bouge pas! C'est la première fois que vous tenez quelqu'un en joue? Vos mains tremblent. Ah. Alors la bleusaille, tu sais tirer? Fais gaffe, je suis pas une bleue! Tu mens! Ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleue que le ciel. Et tu n'as jamais tué, je parie. Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Je suis pas une bleue. Tu n'es pas une des leurs, toi. Ouvre cette porte. Tu dois bien avoir une carte, non? Pourquoi? Pour qu'on puisse se tirer d'ici. On risque d'être un peu retardé. T'attends quoi? Ne réfléchis pas, tire! Bien! Première scène d'action, on va dire, on va appeler ça comme... ration. Pouf, j'ai oublié à quel point le jeu était dur. Merde! Bon, alors, une visée automatique, techniquement, si je reste appuyé... Alors, attendez. Mais qu'est-ce que t'attends? Tire! Je vous l'ai déjà dit, je suis pas une bleue! Je te dis de tirer! Petite technique, regardez, hop, là c'est pas chargé, boum, et là c'est chargé. Juste cliquez sur R1 et c'est ok. Ouf, heureusement que la ration s'est utilisée. Putain, faudrait que je me reprenne au contrôle du jeu parce que putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué en fait. Donc si je reste appuyé sur carré, vous voyez que... Je reste appuyé sur carré, hop, je peux viser. Mais sinon, le reste, si je spam carré, ça vise automatiquement en fait. On va dire ça comme ça. Attention, là il va y avoir des grenades, je crois. Voilà. Mais on reste pas dans le champ, connasse.
utiliser une ration. Merci pour le coup de main. Attends! Qui es-tu? Imbécile, tu l'as tué! Je suis désolé, boss! Son bouclier mental était très fort. Je n'ai pas pu pénétrer son esprit. Maintenant, nous n'obtiendrons jamais le code! Boss, j'ai une bonne idée. Naomi, je viens d'avoir comme une hallucination. Ça vient des nanomachines ? Non, Snake. Les nanomachines fonctionnent correctement. Alors c'était quoi ? Je vous parie que vous avez subi une interférence télépathique de Psychomantis, le médium de Foxhound. C'est comme une sorte de boucle de feedback mental. Alors c'était Mantis. Bon, c'était pas mal de cinématiques dans ce début de... Ouais, on a la carte, hein, c'est carte PAN, carte identité, ouvre toutes les portes de sécurité niveau 1 quand vous êtes équipé. On a eu pas mal de cinématiques durant ce début d'aventure, je vous l'accorde. Ah, la ration de retour. Vas-y, moi je prends, hein. C'est pas de refus. Voilà. Alors, c'était censuré pour l'époque. Voilà, parce que le garde il est à poil. Eh ouais. Là, y'a rien. Alors, on a rencontré une femme dont on ne connaît pas le nom et dont je tairai le nom pour le moment. Hop, somnambulette, parfait. Intéressant. Alors, est-ce qu'il y a deux choses à explorer? Je crois pas, hein. On a exploré les cellules. Et ok. Ça marche. Bah, on va se casser. On va aller là où on nous a dit d'aller. Fais pas le con, s'il te plaît. Merci. Appelle l'ascenseur. Et on nous a dit au deuxième sous-sol. Donc on est parti pour le deuxième sous-sol. Pour le deuxième sous-sol, pardon. Ok. Donc je crois qu'il y a des trappes ici. Ouais, voilà, il y a des pièges. Alors, ici, niveau 5, c'est pas pour moi. Ici, niveau 1. C'est du C4. Du C4, parfait. Donc il est juste ici. C'est un explosif qu'on colle au mur. Là, c'est pas pour moi. Là, c'est pas pour moi, c'est pareil. Là, ici, il n'y a pas de porte, c'est ouvrable, c'est quoi? Somnambulette, je m'en fous. Là, pas pour moi. Et là, c'est pour moi. Et là, c'est grenade. Ok, on va en avoir besoin, celles-ci, elles sont pas mal. Elles sont assez utiles, les grenades, je dois avouer. Mais pour le moment, c'est le C4 qu'on va utiliser. Donc... Là y'a rien. Vous allez voir. Oula. Donc ici par exemple, vous voyez que le mur il est différent. Je pose un C4. Hop. Je fais rond. Rond. Très bien. Stun grenade. Chef grenade, pas besoin. Alors c'était rond pour faire exploser. Je me suis trompé de touche. Donc du coup je pose un...
Un C4. Et allez, un C4. Quelle blague incroyable. Et ici, c'est pour récupérer du C4 avec des trappes, bien entendu. Bon. Et normalement, le passage il est là, je crois. Ouais, si ma mémoire est bonne, hein, effectivement. Ma mémoire est plutôt bonne. Hop, C4. Boum. On y va. Et vous voyez que, regardez, Jaming a écrit. Et en fait, c'est le... Comment ? C'est le radar qui est brouillé. Bon ! Et ben, c'est pas que je vous aime pas. Mais voilà. Notre Baker, il est juste là. Mais je vais pas spoiler parce que on sait très bien ce qu'il va y avoir encore une longue cinématique. Mais pas que. Mais je vous en dis pas plus. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. J'espère que ça vous aura plu. On va sauvegarder un petit coup. Hein ? J'ai fait joystick du bas. Je fais joystick du bas et ça appelle. Vas-y, totalement. Totalement logique. Snake, vous ne pouvez pas utiliser votre radar ici. D'accord, est-ce que je pourrais sauvegarder ? Ouais, bien sûr que je peux sauvegarder. Override save, oui. On est à 47 minutes de jeu, d'accord. Soyez prudent. Ok. Allez, on s'arrête là pour cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Commandant Rétro. Bye tout le monde. Et je l'appelle dans l'armoire.